Sa semaine-là, E9 amène-toi à la découverte du village de Mône. Cristiano pour présente-nous certains de ce ban habitant et nous pour découvrir ensemble un ban fait intéressant, un ban anecdote dans le village. Comment appelle-t-on ban Djimoun qui habite le Mône? Si tu n'as la réponse, tout de suite, moque-le en commentaire et plus loin dans la vidéo, un Djimoun te connaît, donne-toi la réponse. Présente-moi-même, Frico Label, un habitant du Mône. Ça fait des années que je vois ça. Naissance 1968. Mais ici pour moi, la vie, dans cet endroit-là, mon enfance est finie par la même. Plus, on a l'occasion de voyager, c'était hier. Par contre, beaucoup du monde trouve beaucoup de choses. La place différente, pour moi ici, ça base que vous trouvez là, ça naturel. Et puis en vent, il y a du monde solidaire, retourne à la place, fait un paquet d'affaires. Il y a du monde qui me ramasse plastique, ramasse des affaires. Quand il commence dans le monde, quand il y a musical. Ouais, on commence. Avant moi, dans ces gars, quand je trouvais que ben plus grand que moi, je jouais, moi l'apprécie ces gars. Avant l'après cassé là-bas, Michel là, il fait ces gars, c'est pas que ben après mal grandi longtemps, fait des quand même. Après danser, de manière danser là, pas pareil qu'au master, t'as d'autres affaires net. Un ravan batté, tu vas besoin de danser toi. Tu dis écouter, tu les coupes du sel. Ça vibre là, pas beaucoup de monde qui fait ça vibre là, pas beaucoup de monde vraiment qui fait ça affaire là. Mais avec master avec auparavant, différents, des mondes différents. Moi, mon content, c'était là mon fier qui m'a musicien, m'a santé et qui m'a enfant au monde. Et pour mes enfants au monde, nous avons beaucoup de courage qui, en plus de ça, qui m'ont fait mon cours Sega aussi. Pour mes enfants cours, on a qu'il tient pas perdu, tout reste en place. Et mes enfants, des fois, ils ont fait quelque chose vraiment. Parfois, moi-même, je ne suis pas là, mais ils m'ont fait confiance et ils m'ont donné vraiment, ils ont fait des affaires pour moi, pour faire et tout du monde content. Et là, la vie au monde, nous prenons le temps de faire PCA, santé, amour, mais c'est un. Ramène-toi dans mon petit bateau. Soleil couché, mais tous les deux n'en va prendre un bain. Mais mon lame fait les tout tolérants. Destination d'un petit bateau. Destination la lila fou, non. Nous tous les deux, Marcelo la place. On amène-toi pour visiter. Figure-toi, tu es un sourire. Dans mon cœur, moi, je suis dans l'amour. Nous tous les deux, nous allons prendre ben nous naser. Mais mon âme fait les tout tolérants. La 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 la. Parfois quand on sentait aussi, il ne faut pas sentir l'affaire dans l'air. Non. Si vous bien comprenez ce que vous faites, si vous voulez vous tourner des affaires vraiment que moi je peux trouver, et vous faites tout ça d'une manière qui vraiment les vouer, les prendre des affaires, comme je dis, pas ça babol, ou ne pas dire ça, ou pas le côté du monde, je ne sais pas qu'il y a pas aller dans cette affaire-là. Parce que moi-même, je ne peux pas être veillé pour moi-même, moi je veille pour les autres. Mais c'est moi la vie, je trouve la vie, je raconte la vie, et à mon manière, moi la guitare, je sens affaire là. Tout le comprendre, tout vous content et tout. Ça, moi la vie. C'est un venet. Il y a une belle affaire à faire. Toutes les qualités du monde dans la place, ici, à faire caille, de venir balader, de venir assiser mon petit par rapport là. Il y a un paquet d'affaires dans l'endroit qui me développé. Et longtemps, partir à tout ça dans l'affaire là, longtemps, partir à tout ça. Là. Marie, misère même. C'est moi, carré poisson, ça m'a été monté. Jusqu'à maintenant, ça me nous mettait, ça même moment de santé,
à la pêche. Et ça, on va à la pêche pour dans l'hôtel. Là, comme de ma chance, c'était là. Je faisais un tan. Quand vous gagnez un classement dans la vie, vous voyez que si vous prenez compte, vous n'avez pas planté des affaires par là, vous gagnez un carré, tracé, vous pouvez le malheurer. Mais tout le monde, vous trouvez tout le monde riche, coopérer vraiment, vraiment, chacun solidaire. Vous pas aussi, donne pas aussi. Les enfants, quand vous allez à l'école, vous commencez à comprendre. Beaucoup d'affaires qui m'ont un petit peu intéressé, vous voyez, gagner dans mon avis, on voit quand vous êtes cousin, pas gagner ça. Mais c'est moi, les enfants, c'est là, vous pouvez gagner. Et nous si nous soutenons autres, nous allons dire nous donnons coup de main encore les contraires. Parce que nous demandons de faire. Qui va un bon plan, qui va une ville à soi dans le monde, habiter, faire, dire que vous êtes préféré. C'est quand même se revenir rouler, c'est. Tang, surf, qu'on s'en va à gros. Mais, Chipoul, Lasdam, Bétail, Mandou. Tu vois, voyons tout et tout. Ici, canon. Longtemps, un de ces quatre pics, démarrer. Et non, tout ça doucement. Car si tu es venu, ça veut dire mon fils répond aux parents de partir, répondre. Dans ces affaires-là, pas tout seul. Tout le monde là, tout le monde qui là, un peu danser, tu as une gamme qui a dansé. Avant qu'il vous aller, mon envie qu'il vous faire un petit son pour moi, parce que je sais tout avant qu'il vous guette là, je vois que ça là, c'est l'économie. Vous pouvez faire ça avant de aller. L'économie. Ouais, go, ça va ça. Je me présente moi-même. Je travaille comme golf attender au Beach Combe Paradis. Et depuis l'enfance, je suis ici dans un village. Et ça fait 6 ans de cela que j'ai décidé pour être jeune un peu. C'est pour ça avec Beach Combe, nous pensons pour faire le projet Duke of Edinburgh Award. C'est un projet qui fait pour les jeunes. Et mon mari est content de faire ce projet-là avec les jeunes. Parce que ça motive moi qui dans mon âge, je vais pas réussir à faire un projet là, mais mon envie de partager un peu mes connaissances avec les jeunes aujourd'hui pour qu'ils évitent tout le temps dans les fléaux comme la drogue, l'alcool, même cigarette. Et voilà, je dis là, je vais décider pour présenter tout un peu ce que nous faisons dans le village. C'est le monde dans les mondes, dans vos lacs de rivière noire. Où tout un grand différent paiement est fin réuni. Sa même manière tirée n'a pour se plier, se miser. Avant de taper battre, le cimetière des esclaves date d'au moins des années 1800. Nous laisse Cristiano de nous un peu plus d'informations, Lola. Ouais. Là, quand on se trouve, on arrive dans le cimetière de l'esclavage. Et quand on se trouve, il y a là, c'est un tombe. C'est un tombe maintenant 7 qui date depuis 1807-1808. Et c'est ici que tu peux mettre les corps de l'esclave. Et 6 ans de cela, 6 ou 7 ans de cela, c'est une recherche faite par une bonne archéologue ici pour vérifier si reste les corps qu'ils ont gagnés, c'est pas pour l'époque de l'esclavage. Et une récit gagné, on a l'occasion de participer là-dedans pour faire sa recherche aux autres. Et aujourd'hui, nous avons complètement un bon résultat. Et quand il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas ce métier-là, moi je ne connais pas, si moi je viens faire la recherche. Cristiano, puis explique-nous qui nous retrouvons à Pointe-Cassis,
C'est un spot côte ban hindou de l'île, faire la fête de Ganesh Chaturthi. Un spot super intéressant pour faire un bon pique-nique en famille ou avec les amis. Depuis Pointe Cassie, nous capables aussi trouve Roche-la-Croix. C'est une commémoration pour ban esclave qui ne sautait depuis le monde. Oui, effectivement, cette liberté, t'y vaut plus qu'ils ont propre la vie. Me rappelle zot que le village du Morne, au départ, les parties trouvent que l'y était. L'y de l'autre côté, au pied de la montagne. D'ailleurs, nous encore retrouvons le bâtiment où était la première boutique du village. Normalement, ça n'a pas dû être parti là longtemps. C'est que moi, je vais prendre les trucs là où la montée. Après ça, l'embrasure. C'est un chinois propriétaire. Parce qu'il y a du monde même ici. Parce qu'il y a du monde qui te reste là. Tu te restes beaucoup pas sur un dom. Finalement, je vais faire la boutique là ici. Mais c'est un gars plus que 50 ans de cela. Capable. Moi, je suis là en 82. Quand moi, je suis là, c'est un autre propriétaire. De là, nous prenons ça avec lui. Depuis 82, là, moi, je suis là, mon travail. Si moi, là, depuis 82, je suis capable, normalement, il est plus que 50 ans. Oh, mais quand nous venons 82, là, tu as un petit tabasie, un peu plus devant, avec ça, la boutique là. Okay. Là, tu es extra. Mais pas dans la population, si ça commence là, si tu es un peu moins. À Saint-Denis, il y a beaucoup. Mais à Saint-Denis, il y a au moins une vingtaine de la boutique tabasie.
Ouais. Il y en a beaucoup, oui, oui. Exactement. Première la boutique, ça, tu voilà. Première la boutique. Ouais. Mais là, tu es bon au travail, tu es bon. Tu es bien, bien bon. Mais au début, quand nous sommes venus, franchement, nous avons 7-10 personnes qui travaillent là. 7-10 personnes. Pas galère. À ce moment, tout seul, comment on peut trouver comme ça là? Dès comme ça, une journée. Nous, nous mettons ça nous, là, à l'ombre à Dieu, quand nous venons là. Mais nous sommes à la boutique chinoise, pas tellement dans rien là. Okay. Ouais. Quand nous venons là, là, nous connaissons ça, bout de là, appelle l'ombre à Dieu. Là, nous mettons l'ombre à Dieu. L'endroit est extra beau. L'endroit est extra beau. Beaucoup de monde fréquenté, beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers. Li extra joli, je suis à tout la cause de la mer. Oui, l'endroit bon pour vivre, li extra bon. Mm-hmm. Et bien, il y a beaucoup de pêche, après beaucoup de travail l'hôtel. Et nous jusqu'à là-haut, et nous pour montrer sa montagne jusqu'à sur la croix. Si bon Dieu béni. Je suis José Apado, je tiens cette maison d'hôte ici au Morne, face à la mer. Et sinon j'ai fait mes études en France, en hôtellerie. Au niveau culinaire, j'ai une fourchette d'or de la gastronomie à Paris. Donc ici depuis, enfin au Morne ici depuis une quinzaine d'années. Et j'ai construit la maison dans le style créole, pour intégrer un peu le village, le côté créole. Et pour moi, c'est l'endroit le plus agréable qu'on puisse avoir à Maurice. C'est le vrai village dans son intégrité. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Le matin, on a tous les potins du village du soir. Qui c'est qui était là, qui c'est qui n'était pas là, qui c'est qui s'est fait virer de chez lui. C'est le village, sans aucune animosité. Et voilà, c'est un côté tout à fait reposant. Face à la mer,
pour pas mieux. Et ici dans la maison d'hôte, j'ai qu'une chambre pour les éventuels convives. Et au déjeuner, je fais restaurant le déjeuner pour une quinzaine de personnes. Et le soir, aussi à dîner, mais que sur réservation. Là, ça s'appelle jusqu'à 15-20 personnes, mais que sur réservation. Et c'est que de la cuisine locale, à ma façon. C'est-à-dire le côté fusion, si on peut appeler ça. Et j'ai travaillé donc à Paris, comme je vous disais. J'avais deux restaurants à Paris, Chamarelle et Pointe au Piment, restaurant mauricien. Et aussi, j'ai aussi fait les cocktails de l'ambassade et pas mal de réceptions pour l'ambassade et aussi pour les hôtels, enfin les hôtels Stilson et Beachcomber, qui avaient des représentants à Paris qui faisaient des cocktails de bienvenue, de présentation pour leur hôtel ici. Voilà, et puis je travaillais qu'à Paris, comme je vous ai dit. Est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Pourquoi avoir choisi le Mont ? Parce que quand j'étais à Paris, on me disait « Ah, tu vas à Maurice, à Grand B, c'est Saint-Tropez. Wow » Waouh ! Je me suis dit « Si Grand B, c'est Saint-Tropez, ça devait être canon. » Je suis arrivé, bon, j'étais un peu déçu. C'était pas vraiment Saint-Tropez. Et puis j'ai cherché un endroit qui était agréable, que j'avais envie de vivre, parce que je vis ici aussi. J'habite là et je vis sur place. J'avais envie de m'intégrer dans quelque chose, pas un côté trop touristique, trop commercial, trop touriste, quoi. Et ici, c'est le village. On ne peut pas trouver mieux ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait un autre village comme ça ailleurs. J'ai un peu été sur la côte sud, un peu à l'intérieur du pays, si on peut dire, enfin, au centre-ville. Mais ici, je suis intégré ici. En gros, c'est le monde qui vous a tapé dans le... C'est le monde, c'est le moment d'être, c'est d'avoir le, comment dire ça, je ne vais pas dire la nature, mais être intégrer ce style de vie qu'on ne trouve pas ailleurs. Et comment s'appelle l'auberge que vous tenez ? Face à la mer. D'accord. Pourquoi face à la mer ? On ne peut pas faire mieux. Hein. Et dis-tu de se taire, là, celui qui passe, c'est dis-tu de se taire. Traiter du tapage, tranquille là. Ça, comment les gens ici ? C'est des gens superbes. C'est des gens superbes. Je vois pas. Il n'y a pas. On ne peut pas expliquer. C'est des gens intègres. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de. Comment dire ça ? De frustration de leur part. Ils sont intègres. Dans le village, bon, ils ont mis le côté UNESCO là avec le centre de UNESCO sur la montagne, patrimoine. Le village est à visiter lui-même, les gens du village est à voir. Parce qu'ils sont là, ils n'attendent rien de personne et ils vivent. Bon, ils vont le matin, ici je fais que du poisson, malheureusement, que du poisson frais. C'est quand les pêcheurs y rentrent, j'ai le poisson. Donc ça, ma carte, elle change tous les jours. Avec le poisson que je reçois. Et c'est... Peut-être mieux que ça. Je peux pas, je sais pas. Peut-être il y a un mieux, mais je connais pas. Emmène-toi dans mon petit bateau. Le soleil couché, nous tous les deux on va prendre bain. Et mon âme fait le tout tolérant. Destination dans mon petit bateau. Destination loli le founo. Nous tous les deux on s'est la plage. Mon amène-toi pour visiter. Dans ton figure, toi, tu es un sourire. Dans mon lèque, moi, moi, dans l'amour. Nous tous les deux, on va prendre bain, nous nager. Mais mon amène fait les tout les reins.
La 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 oh oh la 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 la. Bon, là moi j'ai trouvé, on arrive d'Ilopouri, c'est une place dans le monde qui est au commencement du village, que moi j'avais trouvé là-bas. Et qui fait ça non là, il y a beaucoup de monde qui pose la question, qui fait ça non d'Ilopouri là. En fait, auparavant, il y a un puits pas derrière, et dans ce puits là, je vais gagner d'Ilo la source, qui est déjà d'Ilo Somad. Mais à l'époque, je n'ai pas connu comment pour dire. Mais vu que ça dit là, nous connaissons l'eau Penagou, mais ça n'a pas fait un goût de l'eau. Hein. Mais c'est pour ça que nous avons appelé l'eau pourri. Et depuis ce moment-là, qui s'en est resté, quand beaucoup de monde contre Vilna, et c'est une pour les plus jolies places qu'il y a dans le monde. Destin, je fais mon pour moi avec Anita. Ça voit l'homme au courant, au fils d'un homme au mari. Caligui l'anti dans son carré, puis un mas sous-marine. Pour te blonzer, rendre la dent, pour un de la grain lenti. L'amour cause à sans raison, l'homme, l'économie, raille. Mal l'économie, y'a fait cause, et vos pégains, plémonie. Ma pégain, trémonie. Vos sentiments, vos dépéris, oh lola, eh, oh lola. Oh lola eh, la eh la eh la la la, oh lola eh, oh lola eh, oh lola eh, oh lola eh la la, la eh la eh la la la. Mais tout long la semaine, y a plus moins rabette, surtout fait bret, surtout fait inondation, sur bouillon la sécheresse. Longtemps maudit d'embaise, hasta la morphine trouve dans réalité, comme dit poète, bizarre esclave, tisile dans la. Mokit si met l'amour, malvé si met de la vérité. Ça veut dire Mokit Anita, moi prends Sabrina. Avec Sabrina, moi t'y crois, moi pour vivre plus longtemps. Aïe, quand moi t'es dans dos de ma famille, donne-moi ma tiagra. Les mots qu'aux alis, sans raison, dit diamant, liba Anita. Aïe, mon gagne une femme, moi dia ou qui verran moi cabri. Y'a verran moi cabri. Mon trou, moi, mon pédé péri, oh lola, eh, oh lola, eh, oh lola, eh, oh lola, eh, la, eh, la, eh, la, 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 oh lola, eh, oh lola, eh, oh lola, eh, oh lola, eh, la, 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 eh, la, eh, la, 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 souffle, maman. Tu poses une question, t'as là, c'est comment appelle ban habitant le monde. Nous laisse Frico Label, donne-toi la réponse. Le monde. Qui t'a pensé de sa vidéo là? Tu si t'as bien kiffé, pousse un petit like. Pas oublier cher sa vidéo là, hashtag #unofmolches, hashtag amène nous popom. Tu si t'as envie de nous découvrir à ta base, pas la rase, vine l'eau nous passe. En descriptif, t'as plutôt tout ban détail pour contacter nous. Allez, ciao, rendez-vous dans nos prochaines vidéos.